va essayer de les vendre pour avoir de l'argent. Alors, avec une dizaine d'horlogers, comme lui, dans un petit atelier, il commence à fabriquer des petites auras. Mais d'abord, il veut changer le nom. Aura, ça ne lui plaît pas du tout. Il va appeler ça des harmonicas. Harmonica, yavol, diharmonico, tre, almo, yavol, der couteau. Et donc, avec ces dizaines de collègues, ils vont essayer de construire des harmonicas. Mais ça ne marche pas du tout. Non, les débuts sont difficiles. Ça sonne pas bien, c'est pas très juste, ces harmonicas ne vont pas triper. Ils trouvent la vie un peu difficile. Mais il n'y a pas que les harmonicas qui le rendent triste, non. Il y a aussi sa copine, ou plus précisément, le père de sa copine. Car Mathias a une copine qui s'appelle Anna, mais le père ne veut pas de Mathias car il n'a pas de situation. Qu'est-ce que vous voulez, un père, faut le comprendre aussi, une fille, hein. Surtout quand elle est toute seule. Alors, pour Mathias Honner, pas d'harmonica, pas de situation, pas de situation, pas de fille. Il persévère, c'est un garçon courageux, et petit à petit, il réussit à faire des harmonicas qui sonnent juste et bien. Il commence même à les vendre. Il les vend en Allemagne, et puis aussi en France, là. Au pays du béret, du rouge et de la baguette. Et un peu plus loin même, il commence à les vendre en Irlande et en Angleterre. Les harmonicas sont chargés dans des trains dans des cargos, et tout ça, ça arrive en Irlande chez les marins pêcheurs. Et là, où il fait très fort, ce Mathias Honner, un très bon commercial, décidément, il les vend même chez les cow-boys en Amérique. Là, les parbots, les bateaux, eh ben, ils traversent tout l'Atlantique entièrement. Quoi. De New York, et après, c'est chargé dans des trains et dispersé dans le pays. Quand le père d'Anna s'aperçoit que Mathias vend des harmonicas, même chez les Américains, là-bas, alors il change d'avis. Et bientôt. Eh oui, c'est un très beau mariage. Tout le monde est heureux. Surtout Mathias et Anna. Et la vie continue. Le petit atelier est devenu une grande usine qui emploie la moitié des personnes de la région. Chaque ouvrier a une maison avec un jardin. Mathias et Anna ont maintenant 5 fils qui grandissent comme des champignons.
Et Mathias est connu dans le monde entier. Il vend des harmonicas en Chine, en Afrique, en Australie, partout. Et lui, il vit bien tranquille dans son petit village de Trossingen. Et il trouve que la vie est très bien comme ça.